Vendredi, ma coiffure ne ressemble déjà plus à grand chose. Donc j'ai essayé de me coiffer, comme vous avez pu le constater. J'essaye de prendre un petit peu plus, enfin plus soin de moi. Pas vraiment plus soin de moi, mais j'essaye de me pomponner un petit peu plus en ce moment. Tu mets tes bottes, bon Lily clairement les bottes là hier au parc Montjuset, ça a été fatal. Donc voilà. Mais donc ouais, on va mettre celle-là, mais celle-là tu les mettras plus à l'école. Et Lily s'est mis du feutre sur le bout du nez. C'est l'autre pied. Donc bon, elle a encore cette paire de chaussures qui est encore largement bien. Et celle-ci, voilà. Donc elle a encore une petite paire de chaussures. La petite paire, mais... Non, parce qu'elles sont toutes propres et on les garde pour l'école. Parce que là on va aller dans un chemin sortir Jules. Donc on prend les vieilles chaussures. On va aller dans tout le chemin. Ouais, on va aller dans le petit chemin. Sinon Lily, fais voir tes petits doigts. Lily elle a mis du vernis. Bon, elle a fait du... Non, pas jusqu'au fond. Elle a fait du coloriage. Bon, on peut y aller. Donc, ouais, donc... Je vais mettre la petite laisse et le manteau à Jules et puis bah, c'est parti. Rémi reste là. Tu peux me donner les affaires de Jules s'il te plaît. Rémi reste là parce que ce matin en s'étirant dans le lit il s'est bloqué le dos. Enfin, il a dû bloquer un peu. Donc ben voilà. Bon après il a kiné jeudi prochain mais en attendant je pense que on verra. Bien. Voilà donc bah, c'est parti. Tiens, tu peux l'attacher s'il te plaît. C'est parti, les enfants sont en bas, je vais me mettre Outlander, voilà, hein, que j'adore. J'ai découvert ça grâce à l'une d'entre vous, si mon appareil veut bien, et du coup ben, je vais tout simplement me mettre Outlander pendant que je vais faire le repassage, voilà, parce que là je n'ose même pas vous faire voir ma montagne de linge, je n'ai pas envie de la faire, mais bon, de toute façon le sol est propre et tout, mais j'ai mis tout par terre. Mais bon, ça c'est à plier, ça, cette partie là, elle est à plier, ça c'est à repasser, donc c'est rempli, et ça c'est à repasser. Donc je pense que j'aurai pas le temps de finir tout aujourd'hui, mais si j'arrive à en faire un bon bout, ça sera déjà pas mal. Sinon si je suis motivée, ben peut-être que je finirai ce soir, voilà. Après je dis merci à ma centrale vapeur qui est assez performante, hein. Si ça vous intéresse, c'est la Perfect Care Elite Silence, voilà. Donc elle est très bien, elle s'adapte automatiquement en fait à la... Elle s'adapte automatiquement aux vêtements, voilà. Donc je l'aime beaucoup, mais elle me fait gagner quand même deux fois plus de temps que mon ancien fer à repasser. Mais malgré ça, quand on a trois plombes de linge et qu'on a laissé accumuler, parce que là j'ai tellement eu de choses à gérer ces derniers temps que j'ai pas eu le temps. Mes lampes qui sont... Mes abat-jour ne sont jamais droits parce que les chats... déjà que celle-là, elle a perdu des bouboules. Normalement, il y avait trois boules, comme de l'autre côté. Il en manque une. Voilà. Un jour il faudra que je passe à Maison du Monde et on avait dit qu'on en rachèterait une parce qu'ils le font, ils la font encore et que je collerai, que je regarderai pour coller le socle sur la console. Enfin bon bref, du coup ben c'est parti, on va en avant Simone, hein, on va faire leur passage et on va se motiver dans le plan d'heure. J'en ai bien je pense pour 4 à 5 heures de repassage là. Ouais. Je pense, et je pense que ça va encore finir, que mon repassage à moi va être fait à la va-vite. Let's say I miss you.
Qu'est-ce que tu dis? Moi je suis en train de finir leur passage pendant qu'il est en train de faire des allers-retours dans la maison. Avec un avion. Super vitesse avec l'avion de Lucas. Donc je suis en train de finir de faire le repassage. Je n'ai pas encore fait, j'ai pas du tout fini. J'ai fait un peu moins de la moitié je dirais. J'ai déjà rangé du linge dans les armoires des enfants. Rémi est en train de monter avec Lucas à Noël. Il a eu du papa Noël. Il a eu une arène Beyblade. Alors je ne saurais pas vous dire le truc, c'est la dernière. Je crois que j'ai pas tout compris. Donc il est en train de lui monter. Lily est en train de s'éclater comme vous pouvez le constater. Rémi après va faire le repas des enfants comme moi je suis en train de faire le repassage. Je peux pas être partout. Donc d'après ce que j'ai compris, Rémi a envie de manger une pizza. Je dirais que c'est l'avion qui a gagné. C'est ça. C'est ça. C'est l'avion qui a gagné. Ok. T'as pas trop chaud? Si. Si. Donc oui, d'après ce que j'ai compris, Rémi a envie de manger une pizza. Donc du coup il fait une pizza aux enfants. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et sinon, je rigole. Et je me rends compte que j'ai quand même de la chance d'avoir une. Non, pas du coca. Non. Non. Tu me ranges ça tout de suite et tu ne bois pas du coca. Si tu veux, tu bois de l'eau, mais pas du coca. Non. C'est pas la peine. Elle boit un petit peu de coca, Lily. Mais un chouïa. Mais là, c'est pas l'heure. Non, arrête de l'agiter, il y aura plus de gaz. Non, Lily. Il est trop tard. Déjà que tu t'endors tard, c'est même pas la peine. Donc on oui, je... Mais oui, on va le faire après. Papa, il est en train de monter la reine de Lucas. Et après, on fait le... papa, il fait le repas. Moi, je suis en train de finir le repassage. Non, tu n'auras pas de cornichons. Bon, je vous laisse. Je vais lui donner à boire. Donc j'étais en train de vous dire merci pour tous vos petits commentaires, je vous répondrai. Et oui, je voulais vous remercier parce que j'ai quand même une communauté en or. J'ai des personnes qui me suivent et qui me mettent de temps en temps des commentaires qui sont gentils et de temps en temps, je ne sais pas pourquoi, qui mettent des commentaires pas spécialement gentils. J'ai pas le temps, Michel. Je explique quelque chose aux personnes qui nous suivent et je finis leur au passage, d'accord? Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et coucou, on se retrouve avec une tête un petit peu fatiguée. Je suis en train de faire le montage du vlog, il est 23h27 et je viens de me rendre compte que je n'ai pas fini le vlog. Voilà, ça s'est fini sur Lucas qui me demandait ce qu'on était en train de manger. J'étais en train de vous parler, je sais même plus vraiment de quoi. Je vous parlais des commentaires, que j'avais beaucoup de chance de vous avoir et que oui, j'ai des commentaires un petit peu what the fuck de temps en temps. Et pour celles qui me demandaient, puisque vous avez été nombreuses en fait à me demander pourquoi les commentaires que je vous ai lus la dernière fois, ils n'apparaissaient pas sur mon YouTube. Tout simplement parce qu'en fait, si vous voulez, sur YouTube, j'ai téléchargé, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, cette petite application qui s'appelle Bodyguard. Et en fait, quand vous avez une chaîne YouTube, ça vous permet de d'avoir des commentaires qui sont pas spécialement sympas, qui vont être modérés par des vraies personnes sur cette application qui est complètement gratuite. Voilà, donc du coup, c'est là que j'ai des commentaires pas spécialement sympas et que des fois, en fait, ça... Je les vois même pas passer en fait, ils sont directement mis, on va dire, en quarantaine. Voilà, et que du coup, si je ne vais pas les voir, je ne les vois pas. Du coup, donc voilà, et merci du coup pour vos gentils commentaires. Alors certes, il y a des commentaires des fois qui sont pas sympas, mais ça me passe au-dessus de la jambe en fait. Des fois, ça me gonfle dans le sens qu'il faut les modérer, qu'il faut surveiller et compagnie, mais maintenant je m'embête plus, je supprime, voilà, en général je supprime, des fois j'y réponds, mais ça m'atteint pas, voilà, ça m'atteint pas. Donc les personnes qui me disent que je suis débile d'avoir fait un tatouage, que je vais avoir des soucis, qu'elles espèrent que je vais être, que j'aurai des soucis de santé ou quoi, ben... ma foi, vous pouvez parler autant de temps que vous voulez, c'est pas grave, ça glisse entre guillemets.
Voilà. Dans la vie, il y a largement pire que ça. Et de toute façon, je suis limite plus triste en fait pour ces personnes-là, parce que je me rends compte que la plupart du temps, les personnes qui sont comme ça, qui sont aigries, qui mettent des mauvais commentaires et qui râlent, ce sont la plupart du temps et même souvent des personnes qui sont jalouses ou qui ne sont pas satisfaites de leur vie ou qui sont tristes, pas bien, et du coup qui viennent en fait râler sur les autres. Et au final, quand on pense à ça, bah, ça me fait de la peine pour eux en fait. Voilà. Quand on est bien dans sa vie, quand on n'a pas envié quelque chose aux autres, de toute façon, on ne ressent pas le besoin de critiquer, de jalouser, d'envier, enfin voilà. Enfin bon, bref, parenthèse close, je vous laisse du coup, je vous dis à demain, je vais du coup finir de monter ce petit passage et j'irai me laver mon tatouage et crémer. Voilà, pour le moment j'utilise du Cicalfat. Il faut que je regarde sur Amazon parce que j'avais vu une crème vegan pour le cicatriser et pour l'entretenir après. Donc je regarderai parce qu'il me reste du Cicalfat, mais il m'en reste pas des masses. Normalement c'est ce que j'utilise pour Lily parce que ça lui convient assez bien. Et voilà du coup. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à demain. J'espère que vous avez passé un super moment avec nous. Les commentaires, je vais y répondre. Je les regarde, mais en ce moment, je n'ai pas le temps d'y répondre. Je manque de temps. Je manque de temps. Les concours aussi, c'est pareil. Vous inquiétez pas. Les derniers tirages au sort vont être faits. Il y a un dernier concours qui doit arriver aussi. Il faut que je prenne le temps en fait de faire les photos et de vous le mettre sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me suivre sur mon-boudoir-de-maman. Il y a des concours de temps en temps qui arrivent, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain, bisous.